me suis mis là exprès. Alors, là, je vais. Quand on regarde sur les précédentes vidéos, j'avais des problèmes de QRM au niveau du push. Alors, l'installation était provisoirement sur en base magnétique. Voilà, donc ok. Comme beaucoup de personnes. Mais bon, moi, c'était vraiment du provisoire sur en base magnétique. Là, dernièrement, hier, j'ai changé mon en base perçage qui était HS pour en mettre une neuve. Et je suis repassé ce coup-ci en installation mobile sur en base perçage. Donc, meilleure masse et tout. Et plus de QRM au niveau du push. Ce que l'on entend, c'est à l'extérieur. Parce que, voilà, là je débranche mon éclairage. Donc, je débranche mon bloc multiprise branché sur l'USB, sur n'importe quoi, branché sur la prise allume-cigare. Je le remets, on voit aucune différence. Alors qu'avant ça, ce même bloc me parasitait tout. Jusqu'à, oui, 4-5 points de QRM même. Là, l'antenne mise à la masse comme il faut, plus de QRM. Donc bien souvent, on cherche midi à 14h, alors que la solution, elle est toute simple. Juste revoir la masse côté antenne. Ah, c'est propre. Ouais. Rien ne vaut une installation en basse. Ah, oui, sur une installation en perçage. C'est con, mais je redécouvre la radio. Évidemment, suivant où on passe, ça, les QRM extérieurs, on ne peut pas les éviter. Attention, Apache 33, Apache 33 pour Dindé 33 qui t'appelle. Attention, Apache 33, Apache 33 pour Dindé 33 qui t'appelle. Peut-être même que j'ai réussi à résoudre mon petit problème là qu'on voyait là de sifflement avec le message qui correspondait au squatch automatique avec. Si c'est le cas, bah tant mieux. Attention à page 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Bon, il est pas là. CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence km en mobile depuis le sud-est de France, QTH Libourne. CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi. Qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. La propague est peut-être retombée. Ça semblait prometteur tout à l'heure. Ah si, pourtant elle est là. C'est pas la propag qui manque, c'est les opérateurs. C'est les stations qui manquent. Jeden sześć, jeden sześć, to na 4 do 5.
CQ, CQ, CQX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France et vous propose un QSY sur le 27 545. 27 545, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. L'endroit idéal, c'est sur les ponts. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et vous propose un QSY sur le 27 545. 27 545, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. Bon, ben c'était bien tenté. Voilà, il est 22h20. Dommage. Je vais faire quelques petits tests comme ça en même temps pour voir. Car même si je sais que ça va faire sourire certains, je me suis amusé à prendre un kit radiant pour antenne mobile. Ah, c'est tout petit. Je sais que certains qui ont des problèmes de masse ont vu la différence. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais je voulais tester quand même. Car j'ai une Wilson 5000 version perçage. Sur la base d'origine, elle est très près du toit. Allez, on va dire, il y a quoi? Juste quelques millimètres d'espace. Je me suis dit, tiens, vu que je passe sur une embase Sirio, donc beaucoup plus épaisse, l'antenne est rehaussée. On peut imaginer que forcément le rayonnement de l'antenne peut être aussi un poil modifié. Et je vais tenter le coup justement en rajoutant ce petit kit radiant, d'influencer un peu le rayonnement de l'antenne. Bon, j'y crois pas trop. Hein. Parce que bon, c'est quand même petit comme radiant. Mais bon, j'ai fait une expérience. Voilà. Sans savoir ce que ça va donner au bout du compte. Mais je tente l'expérience quand même. Ah bah, décidément. Ah. Alors, c'est des étrangers? C'est des stations qui manquent. Si eux passent, c'est qu'il y a de la propague. Là, je suis entre Libourne et Bordeaux, enfin sur la rocade de Libourne, très précisément. Thank you.
Ah, si. C'est pas épais. Justement, je crois qu'il a proposé un QCREC en fait en zéro, en terminaison zéro. Pas payé. Bon, je vais tenter le coup de ce côté-là pour voir. Attention, le Québec-Canada. Attention, le groupe de Tannant. Pour 14 km 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 vous lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France. Et c'est là que ça me répond. Non, la propague n'est pas de ce côté-là. C'est un QSC local. Ah, c'est pas très épais, hein. Ah, pour ceux qui disent que sur le 27 mégas, la nuit, il ne peut pas y avoir de propague, c'est des conneries, ça. Bien sûr que si, il y a de la propague nocturne. Je dis ça parce que c'est des messages que j'ai déjà vus sur certains forums. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur EMI qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France et qui vous propose un QSY sur le 27545. 27545, c'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur EMI. Il lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le pont d'Aquitaine. Ah, j'ai entendu quelqu'un répondre dans le lointain, les messieurs 1351 de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile de la descente du pont d'Aquitaine. Mais c'est assez compliqué là de mon côté, j'ai pas mal de QRM là en passant sur le pont. Ah, je vous ai complètement perdu la station, désolé. Et bien 73 à vous, bon QSO, bon contact. Et zut, pourtant on l'entend un peu. Hein. Oui, les 73 affirmatifs, c'est sûr, oui. Mais dommage qu'il y ait des QRM dessus. Hein. Ah oui, ça c'est vraiment dommage. L'idéal, ce serait de pouvoir s'arrêter dessus, de faire une petite expédition dessus. Alors là, vu le pont, pont métallique, la flotte en dessous, là c'est du royal. Visiblement, je vais arriver bien fort. Sur le pont, il n'y a rien d'étonnant.
ça marche. Oula, allô, oula. Merci pour la station qui m'a dit que ça fonctionnait. Allez, 73 à vous de la part de 14 km 3301 Rémi en mobile sur la rocade de Bordeaux. Le bassin d'Arcachon, eh bien, ça passe bien. Comme quoi, il y a de la propague. Il manque simplement les OM. Ah, chier, en plus, c'est ça. Ouais, là, je suis en train de passer au-dessus du lac, là, sur la rocade de Bordeaux. Je vous ai entendu tout à l'heure, quand vous étiez sur le pont d'Aquitaine. Ça a fonctionné extrêmement bien. Je vous ai dit, un signal de pratiquement neuf. C'était vraiment pour moi. Je vous retourne le micro, cher ami, et vous écoute avec grand plaisir. Ah, quand même. Eh oui. Alors, c'est ça qui me fait sourire ce soir, c'est que la propague est là. Hein. Ça, c'est certain, mais c'est le silence radio. C'est les EM qui sont pas là, pour le coup. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, zut, je suis envoyé sur une déviation. Je dois aller sur Mérignac. Ah, dommage. Ah, ils ont fermé la rocade. Zut. Je m'en vais au pro, là, en plus. Ah, je suis désolé, j'ai pas tout compris. Il y a quelques parasites locaux qui perturbent un petit peu ma réception. Donc, je n'ai pas compris. Vous voulez bien me répéter, s'il vous plaît? Ouais, je disais que là, je suis, ou plutôt j'étais sur la rocade de Bordeaux. Mais là, je m'en vais au pro, je m'en vais au boulot sur Mérignac. Et ils ont fermé la rocade. Alors, ça, c'est la surprise du soir. Je ne sais pas du tout par où faire que je me débrouille pour voir là par où passer. D'accord. Ah ben là, je suis désolé, mais je ne pourrais pas vous aider. Vraiment désolé. Donc, je vais me permettre de vous laisser à votre conduite pour éviter tout souci. Bien qu'à l'heure actuelle, il ne doit pas y avoir grand monde. Vous me direz en bref que si vous êtes... en véhicule utilitaire ou en véhicule de tourisme. Je pense aux 44 tonnes, hachis trois fois. Hachis, non, je suis en véhicule de tourisme. Là, je suis dans mon push. Voilà, là, je m'en vais. J'embauche ce soir, là, 23h30, là, sur Mérignac. Et il y a un peu de monde sur la route, là, quand même. Et ouais, en plus de ça, pour QRT, c'est ce que j'allais dire aussi. Pour là, il va falloir que je rende un petit peu les panneaux là, comment retrouver ma route et être sûr d'arriver à l'heure, parce que là, pour le coup, je n'ai pas prévu ça. Ok, merci pour le petit contact. Les bottes 73 à vous, voilà, de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 pour le QRZ local. Et bon contact et bon réglage, parce que d'après ce que j'ai compris, vous étiez en train de faire des réglages. Oui, je regardais comment ça fonctionnait, parce que l'accélérateur de particules, il y a longtemps que je ne l'avais pas allumé. Allez, je vous souhaite une bonne route, un bon courage pour le pro, et au plaisir de vous retrouver, Rémi. Le prénom de l'opérateur ici, c'est Daniel. Ok Daniel, merci à vous et bon réglage, bon contact. Bon, d'accord, et moi je fais comment Bon, eh bien, GPS, pas bon GPS. Pas bon du tout GPS. Il veut me renvoyer sur la rocade qui est fermée. Hachi. Bon, alors, on regarde de quel côté est le soleil. Sachant que je dois prendre vers l'ouest. Et puis ça va le faire. Ouais. Ouais. Évidemment, là, 23h, tout le monde est parti au 144, là. Ou sorti en boîte, peut-être. Elles ont ouvert, les boîtes? Je sais pas toutes, hein, quelques-unes.
alors, c'est marrant, je veux bien qu'il accélère un petit peu devant, parce que 30 à l'heure, ça va 100 minutes. Quoique non, c'est sur la 30. Ah ouais, est-ce que c'est qu'on habite en ville? Il y a du QRM. Hey, je vois le panneau Mérignac. Ah bah c'est bon, je suis dans le bon sens. C'est bon ça. Ben voilà. À quoi ça sert d'avoir un GPS qui vous fait faire n'importe quoi si, quand il est mieux de suivre son pif? La route que j'ai pris pour arriver jusque là, je la connaissais pas du tout. Hein. C'est au feeling. Pour embaucher 23h30, là je le sens bien. Ah, évidemment là, vu l'heure, sur le 19 aussi c'est calme. Hein. Maintenant j'ai pas pris le micro pour tenter le coup. Hein. On va dire que là pour l'instant j'ai autre chose en tête, c'est arriver à l'heure. Mérignac Soleil, voilà, je sors, ouais, voilà, c'est ça, c'est bon, il faut le grill droit devant. Pour revenir à une installation d'antenne sur un véhicule, j'ai toujours préféré être en perçage. Hein. Ça, bon, ok, d'accord. Mais là, c'est un très bon test. Quand on regarde les prochains, mes précédentes vidéos, on voit un espèce de QRM permanent. Là, ben, il n'y a plus rien. Hein. Ben voilà, il n'y a plus rien. Tout ça parce que je suis passé d'en basse magnétique à en basse perçage. Logique, hein, là c'est direct à la masse. Hein. Bon, ben, je suis plus qu'à quelques centaines de mètres. C'est bon. Voilà. On est samedi matin. Il est 8h-10. Le jour se lève. Bon, à cette heure-ci, je ne m'attends pas à des miracles. Hein. Mais bon, des fois, les surprises. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée à tous! Ouais, la station, merci, tous à retourner! Ah, c'est très très QRP là de mon côté, voilà, là je suis descendu, je viens de passer le pont d'Aquitaine, je suis dans le virage là au niveau de l'Ormeau. Hein. Ah ça, c'était déjà QRP en passant sur le pont, là je suis carrément là sur le tronçon de voie rapide entre le pont d'Aquitaine et puis la rocade Est. Et là, je suis complètement perdu, là. Bonne journée à toi, si toi, de ton côté, tu arrives à m'entendre. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Sait-on jamais, il faut toujours... Ouais, je t'entends un petit peu sur tout le Roger Bip à la station. Voilà, je suis au niveau de la sortie 1 pour attraper la rocade Est. C'est-à-dire à la hauteur de l'Ormont. Vous voyez? Pourtant,
j'aurais parié que j'aurais eu personne. Bah tiens, voilà, si, c'est fait. S'il y a lui en fréquence, il y en a forcément d'autres. Oh, mais il n'est pas tout seul. Ah, c'est bien ce que je disais. Hachi. Ah, je l'entends parler. Mais bon, c'est vraiment, vraiment très, très QRP. J'entends des bips, simples bips, d'autres multi-bips. Il y a du monde, mais c'est trop loin. De mon côté, je suis sur la nationale 89, là, entre Bordeaux et Libourne. Putain, avec ça module. Qui sont du côté de Marmande. Alors ok, là moi je suis sur la salle 89 entre Bordeaux et Libourne, donc plein en route plein est, et eux sont sur le département 47 du côté de Marmande, donc plein sud. Là ils sont loin, pas étonnant que je les entende aussi petit. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis la rocade de Libourne. Salut, ok, le cognac de Cognéran, les 73-51 à toi. Je sors du pro, j'étais sur Mérignac cette nuit. T'as la vache, là, le temps de passer sur le pont, puis ça y est, là je t'entends pratiquement plus. Bon, c'est pas grave, si toi tu m'entends encore, bonne journée à toi, bon week-end. Lundi, je dois être à nouveau sur Mérignac, mais en journée. Il ne faut jamais douter de rien. Ça, c'est génial. Beaucoup de stations, je dis pas tout le monde, hein, mais beaucoup de stations disent la Sibi c'est mort, il n'y a plus personne sur les carreaux de canaux. Mais bon, que font-ils déjà pour voir s'il y a du monde? Et ont-ils du matériel? Là est la question. En attendant, ça fait deux fois que je prends le micro, on est pourtant samedi matin. Les gens ont trop de choses à faire, d'autres font la grasse matinée. Ça fait deux fois que je prends le micro et deux fois où ça répond. Je dis ça, je dis rien. Excellent. Putain, que ça fait plaisir de ne plus avoir de QRM qui mettent du push. Oh, j'adore. Putain, j'ai un bon gars là-dessus. Beaucoup de gens se mettent en antenne avec en base magnétique pour pas faire de trous, ceci, cela, bon. Sur un véhicule de location ou de prêt, ça, bon, ok, je conçois. Sur le véhicule de l'YL, je conçois encore plus. Mais bon, quand c'est son véhicule perso, après tout, on en fait ce que l'on veut de son véhicule. Alors avant, j'étais déjà en base de perçage. Hein. Et pourquoi il m'affiche autant? Ben oui, je suis à 50. Avant, oui, j'étais en embase perçage et suite... Non, je suis à 50, là. Et suite à un souci avec l'embase d'origine, il faut
faisait quoi, allez, en gros 5 mm d'épaisseur, pas plus. Bon, forcément, le plastique a fini par casser. Hein. Ah, il était en 6 morceaux. Hein. C'est. Ah bon, bref. Là, je suis passé sur. Bon, je suis resté quelques temps sur une embase magnétique. J'ai vu des QRM, ceci, cela, venant d'un bloc. Ah, je sais, je redonne. Venant d'un bloc multi-branchement et tout, ça, tac. J'ai essayé plusieurs trucs, plusieurs filtres et tout, ça, j'ai tenté plusieurs trucs, blindage des fils et tout, rien n'y faisait. Et là, je repasse, je fous là une nouvelle embase perçage, une Sirio, là, avec dessus bien plat. Donc, je refous l'antenne en perçage, donc bien mise à la masse et tout. Comme quoi, ne serait-ce que mettre l'antenne à la masse, déjà, ça élimine pas mal de QRM. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore choisi, alors choisir entre une embase magnétique et une embase perçage, il n'y a pas photo. Hein. Là, si vous regardez les vidéos précédentes, là, vous avez la preuve en image. Là, je n'ai plus rien, plus de QRM. En fait, j'ai entendu quelqu'un, là. Allez, le coyote, je t'ai entendu, code de Codéran, je t'ai entendu la nouveau passé, là. Ah zut, je t'ai raté, voilà, t'as trop de QRM de ton côté. Ah, t'as sur Apache 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Levé de soleil là, qui se fait là dans la diagonale gauche. Ouais, ouais, je crois qu'on le voit. Là. Ah, il y a quelque chose là qui passe dans le lointain. Ah, il accélère. Tiens. Aïe, mes oreilles. Ah. Adieu le lever de soleil. Je suis dans le coton. Bon ben, de ce côté-là, il n'y a rien pour le moment. Il est 8h15 passé. Alors, il y en a qui disent que la M, c'est leur casse les oreilles. Il faut rester en BLU. Ben, je sais pas, mais là, quand j'écoute. Là... Ah. Là, on voit ce que ça donne. Ben, c'est quand même mieux filtré, hein, malgré tout. Là aussi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Et voilà. On n'est pas si mal que ça, on aime quand même. Bon là, je taquine certains en disant ça. Quoi. Attention, Apache 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Billy de 4 pour Dundee 33 qui t'appelle. Bon, ben, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Waouh. Je sais pas quel va être le rendu là sur la caméra là, qui est posée sur le tableau de bord. Mais le lever de soleil. Avec le brouillard et les arbres, en réel, comme ça fait un truc vraiment pas mal sympa. Quoi.
Ah oui, non, mais là, c'est peut-être un peu drôle. Quel connard! Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ah là là. Après, c'est ce genre de personnages qui vont pester la réglementation et tout ce qui s'ensuit. C'est à cause d'eux. Si on a des radars partout. Et ainsi de suite. Putain, il y a un ballon dirigeable droit devant là. Putain, mais ils ont pas froid eux là-haut. Il y en a un autre un peu plus loin sur la gauche là, mais qu'on verra pas sur la caméra. Ah mais là j'en laisse. Hein. Oh, oh, oh. Avec le brouillard qu'il y a là, on voit qu'il fait quand même frisquer dehors. Putain, il y a du monde ici. Oui, les bandanges, c'est vrai en fait. Là, il y a un QSO FM. Cachou. Du côté des 40 canaux, le DX, c'est aussi possible. Hein. Si on nous bloque l'accès en sup, on peut très bien faire du DX de ce côté-ci. Hein. Par contre, vous remarquerez, du côté 40 canaux, c'est surtout en Lima Sierra Bravo. Contrairement au sup, où là, c'est en uniforme Sierra Bravo. Il est 8h35. Là, 8h35, il n'y a rien côté propag, et ça ne veut pas dire que dans 5 minutes, dans 1 heure ou 2 heures, enfin bon, peu importe, il n'y aura rien. Bon, allez, là-dessus, je viens de débaucher, donc allez, direct dedans. Allez, bonne journée à tous.